Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end plutôt radieux. Voilà, le printemps est là et ça fait du bien. Alors pour continuer dans la joie et dans la bonne humeur, je vais vous parler aujourd'hui pour mon plus grand plaisir d'un Decepticon dont je suis particulièrement friand puisque voilà, je l'ai dans une certaine quantité d'exemplaires, voilà, non négligeable. Donc il s'agit du Studio Series 28 Barricade. Donc, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera sans doute un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite, les petits amis. Ouais, bonne revue, les mecs. Amusez-vous bien, passez un super moment et à tout à l'heure. Allez, tchoussi. Et pour commencer, petite présentation habituelle de la boîte de notre Barricade. Voilà, donc on nous indique qu'il s'agit du numéro 28, issu du premier film Transformers, qu'il a été conçu donc en collaboration avec Hasbro et Takara. Voilà un petit peu donc pour la présentation de la façade de la boîte. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc notre Barricade. Voilà, dans une position pas très gonfle, pas très content, toujours avec ce foutu symbole Autobots. Hein, j'aurais bien aimé quand même qu'il se donne la peine pour les boîtes de nous mettre le symbole vraiment adapté aux Transformers concernés. Sur la tranche latérale gauche, donc un gros plan sur le visage de notre Barricade, et au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc notre Barricade sous sa forme robot et sous sa forme véhicule. Nous y retrouvons bien entendu la petite notice. Et Studio Series, oblige. Voici un petit peu donc notre traditionnel. Hein, nous sommes habitués à présent donc notre petit diorama et stand pour exposer donc notre TF. Donc diorama qui est exactement identique à celui du Studio Series 01 Bumblebee. Hein, dans lequel donc nous avions la première confrontation entre Barricade et Bee. Et voici dès à présent donc un petit focus, un petit 360 sur notre Barricade dans son mode alternatif, donc toujours inspiré bien entendu de la Saline S281. Voilà, donc véhicule une fois encore réussi, hein, comme tous les Barricades issus des gammes Movies. La voiture est juste terrible, voilà, une très très jolie réussite sous tous ses angles. Donc du très bon boulot que laisse augurer ce petit père. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les petits détails qui viennent habiller à la perfection notre Barricade. Voilà, donc nous pouvons déjà constater qu'à l'avant nous avons des feux peints en silver. Nous bénéficions également donc d'un pare-brise et de vitres latérales entièrement translucides, voilà, sur tout le pourtour du véhicule. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Autre chose sympathique, c'est que nous avons ici donc le gyrophare en translucide. Voilà, donc avec la petite lumière rouge et bleue. Donc voilà un petit peu donc pour les détails à l'avant du véhicule. Sur les côtés, donc nous retrouvons bien entendu l'emblème police, des feux peints en noir, donc ça rend plutôt pas mal. Nous avons également, alors je vais faire une petite mise au point, voilà, le symbole police, donc orné du logo Decepticon, donc juste à l'avant de l'aile. Nous retrouvons donc le numéro 643, voilà, sur le bas du véhicule, son éternel petit dicton, donc to punish and enslave. Voilà, nous avons également donc les petites indications, voilà, 911 juste ici à l'arrière. Voilà, jolie finition également, puisque nous avons donc les feux arrière peints en rouge. Nous retrouvons donc la marque Saline. Voilà, donc vraiment très très chouette véhicule, hein, qui n'est pas sans me rappeler le Dark of the Moon, si ce n'est que celui-ci est encore plus petit. Voilà, donc toujours, je suis toujours un petit peu fâché malheureusement avec cette échelle Studio Series, hein, qui décidément nous propose des TF parfois vraiment vraiment pas très grands. Au niveau de l'undercarriage, voilà un petit peu donc à quoi ressemble notre Barricade. Voilà, et sur le dessus,
Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc également avec la notification police S643 juste ici. Donc voilà, une finition plutôt très très soignée dans son ensemble. En termes d'accessoires, donc nous retrouvons, tout comme dans le film, son espèce de, j'appellerais ça moi une scie sauteuse, cybertronienne, avec une fonction rotative, comme dans le film, donc plutôt sympa, avec à noter donc que les petites ailettes, sont en plastique mou. Et pour le stockage, alors il n'y a pas vraiment de stockage, par contre vous avez la possibilité, alors je vais repasser tout de suite sur notre barricade, donc vous avez la possibilité de pouvoir la placer, alors monsieur Focus s'il vous plaît, la placer sous le dessous, juste ici, comme ceci. Et voilà. Et voilà donc notre barricade prêt à intimider notre Sam Witwicky. c'est pas probant, mais bon, ça reprend quand même assez fidèlement ce qu'on voit dans le film. Donc voilà, ça fait son affaire, je trouve. Et en termes d'échelle, et donc c'est là pour moi où le bât blesse un petit peu, c'est que nous voyons tout de suite que Jazz, qui est pourtant le plus petit véhicule de luxe Movies, se trouve du coup plus large que la Saline. Et en termes d'échelle, la Saline reste quand même un petit peu plus grande, mais j'aurais préféré des proportions un petit peu plus importantes. Je trouve que là, pour le display, c'est pas terrible. Voilà, donc ce n'est que mon avis, j'aurais bien aimé quand même une échelle un peu plus élaborée, un peu plus grande, pour ce petit père, qui le mérite quand même amplement. Petit comparatif à présent, donc, aux côtés de Lockdown, et on se rend compte une fois de plus qu'en termes d'échelle, c'est pas ça du tout, Lockdown étant vraiment démesurément grand aux côtés donc de Barricade. Donc voilà un petit peu pour notre chasseur de primes et notre Decepticon. Et le voici à présent aux côtés du Voyager Starscream. Seul Decepticon que je possède donc dans cette team Movies. Donc ça m'en fait deux aujourd'hui, je suis pas mécontent. Donc par contre, c'est vrai que niveau d'échelle aux côtés de Starscream, je trouve que ça passe quand même pas trop mal, même si bien entendu Starscream devrait être plus grand. Mais là en termes d'échelle, on est dans quelque chose d'assez, pour moi quand même, d'assez passable. Et pour terminer, donc le voici aux côtés de son adversaire Bumblebee, dont le duel est quand même assez épique dans le premier film. Donc Bumblebee et Barricade réunis. Et là, une fois de plus, pour le coup, on se rend compte que Barricade, quand même, aux côtés de lui, est quand même un chouïa trop petit. C'est mon principal reproche pour le mode alternatif. Sinon, pour le reste, on a quelque chose quand même de propre et très soigné. Et place tout de suite à l'étape transformation, transformation que j'ai trouvé quand même assez agréable, quelques similitudes avec le Dark of the Moon, et dans l'ensemble avec les autres versions de Barricade, si ce n'est que la transformation sur celui-ci est quand même un peu plus travaillée, un peu plus soignée, et reste également plutôt satisfaisante. Donc pour commencer, vous allez prendre la partie donc arrière, juste ici, et la positionner ainsi. Quand c'est fait, vous allez venir donc séparer les vitres arrière et ces pièces là ainsi, comme ceci. Même chose de ce côté là alors vous avez un ergo juste ici qui vient se loquer juste ici au niveau donc de ce qui va former la jambe de Barricade.
Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez remonter ces pièces-là comme ceci pour le moment. Nous continuons avec les jambes. Donc, vous les déclipsez hein, en toute logique, comme ceci. Ensuite, hop, vous prenez cette partie-là. Voilà, vous la faites basculer et vous venez donc la loquer dans la petite fente qui se trouve juste ici. Ainsi, et vous mettez en place le pied. Vous n'oubliez pas donc de déplier le genou et de lui donner voilà cette position là assez classique au Decepticon, hein, la jambe de poulet comme j'appelle ça. Voilà, donc même étape pour le deuxième pied. Vous faites basculer donc le pied comme ceci, vous mettez cette partie là et vous la loquez juste ici. Ainsi, le pied en place, vous pouvez déployer et positionner voilà, la rotule du genou dans le sens inverse. Et voilà déjà donc pour ce qui est des jambes. Voilà, je réduis un petit peu, je prends un petit peu de hauteur. Voilà, ensuite, donc vous allez prendre cette partie-là du toit, la relever légèrement, la faire pivoter donc par-dessus le pare-brise. Alors, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous venez d'éclipser. Alors, décidément, Monsieur Focus est fâché. Je pense que c'est parce que le véhicule est très sombre. Donc, vous déclipsez. Voilà. Le capot, comme ceci, vous avez donc ce capot qui est fixé par un ball joint, vous en profitez donc pour, voilà, faire une rotation de ce dernier et le placer comme ceci. Voilà, on continue en faisant, voilà, basculer complètement ce qui va venir former le bassin et le slibard de barricade, comme ceci. Vous venez loquer le tout ainsi. Voilà, quand c'est fait, vous pouvez mettre les bras dans l'alignement ainsi. Vous pouvez sortir également donc le cucu, la tête, comme ceci. Vous, alors, vous faites, donc vous baissez ces éléments-là du pare-choc, voilà, comme ceci, vers le bas. Ensuite, vous leur donnez cette position-ci, moyennant donc une légère petite rotation. Voilà, donc le chest à présent formé. Donc, la notice dit de positionner le backpack comme ceci. Personnellement, je suis pas trop fan, surtout que voilà, ça fait que le backpack dépasse complètement. Et donc, moi, j'aime pas trop personnellement. Donc, moi, de mon côté, je le rabaisse complètement ainsi. Voilà, de façon à ce qu'il soit le plus plat et le plus discret possible. Voilà. Ensuite, donc nous allons passer à l'étape des mimines. Donc vous allez déclipser, enfin déloquer du moins les mains comme ceci. Vous repliez et rabattez cette partie-là du haillon arrière. Vous déclipsez donc ce doigt-là hein, qui vient se loquer complètement. Alors n'oubliez pas de bien le loquer, sinon quand vous allez le transformer en mode véhicule, vous n'allez pas pouvoir enfoncer complètement donc les parties latérales de la voiture. Donc pensez surtout à bien le reclipser. Voilà, donc là pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de les déclipser. Même étape ici, on fait basculer la mimine, cette partie là on déloque
le doigt, et voilà. Donc voilà pour ses mains. Ensuite, vous prenez donc la partie des portières, vous la dépliez ainsi, et vous venez rabattre le tout comme ceci. Voilà. On met en place le coude. Même étape ici, on déloque, on vient rabattre complètement toute la portière comme ceci, on met en place le bras, et voilà, donc je ne pense pas m'être trompé, avoir oublié quoi que ce soit. Non, ça me paraît plutôt correct. Donc voici, mesdames et messieurs, notre barricade transformée. Voilà, petit plan d'ensemble. Voici tout de suite donc un petit aperçu, un petit tour complet de notre barricade sous son mode bot. Voilà. Donc plutôt très très réussi. Alors je sais, hein, le fait d'abaisser le backpack comme je le fais, ça laisse entrevoir un petit peu donc la partie supérieure du dos. Mais en revanche, donc ça permet d'aplatir, de tasser au maximum. Donc le backpack, moi je préfère cette configuration là personnellement. Mais voilà un petit peu donc à quoi ressemble notre Decepticon. Donc plutôt très très sympa, bien fichu. C'est pour moi à l'heure actuelle, je trouve, la meilleure représentation de barricade qui existe. Petit zoom à présent donc sur le visage de Barricade, voilà, que je trouve extrêmement soigné et très très bien réalisé, avec du silver, une petite touche de bleu métallique juste ici pour les cornes, les pupilles en rouge, un petit peu de doré, voilà, pour dénoter un petit peu donc le visage. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, donc visage vraiment très très soigné, je trouve. Donc très très bon point à ce niveau là. Nous allons continuer donc au niveau des détails de bas en haut, comme je le fais souvent. Voilà un petit peu donc pour le chest. Voilà. Alors j'aurais aimé avoir un petit peu plus de silver ci et là, hein. Je le trouve encore un peu trop noir à mon goût, mais un peu trop sombre surtout à mon goût. Mais voilà, hein, je pense qu'il passera sans doute lui aussi par la case custom repaint. Mais mis à part ça, donc voilà, il est quand même très très bien fichu. Les détails et les gravures, sculptures sont nombreuses. Voilà, et puis donc nous avons quand même, voilà, petite touche très léchée, l'extrémité donc des pieds peinte en silver. Ça fait bien plaisir. Donc vraiment, voilà, un souci du détail quand même très très, voilà, très très acceptable pour cette figurine. La seule chose que moi je vais lui reprocher personnellement, c'est que vous allez le voir tout de suite quand je vais, voilà, mettre les bras donc dans l'alignement, c'est qu'on a les mains qui arrivent quasiment au niveau des chevilles, hein, donc voilà, j'aurais bien aimé que les bras soient un peu moins longs, un peu moins simiesques, mais bon, mis à part ça, donc le robot est quand même franchement super sympa. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête que nous pouvons lever, baisser et bien entendu faire pivoter, voilà, à 360 degrés. Nous avons la pupe d'ove, voilà, donc on ne pourra pas faire plus que ça, hein, de par les éléments et puis ces petites pièces-là qui, même si elles sont en plastique mou, bah, viennent gêner un petit peu donc l'amplitude du mouvement. Nous avons également, donc par contre ça c'est sympa, c'est voilà le bras de par la transformation, pardon, je vais y arriver, donc qui nous permet de venir donc avancer et reculer le haut de l'épaule. Ça c'est plutôt très sympa, une rotation, hop là. Alors voilà, sur le mien vous allez voir que j'ai un petit souci, la partie du bassin et du torse ne se clipse pas super bien. Voilà, donc nous avons une rotation intégrale du bras. Nous avons également donc la possibilité de pivoter de l'intérieur vers l'extérieur l'avant-bras, la pliure du coude à plus de 90 degrés, hop là, ça c'est plutôt sympa, et nous avons donc les mains que l'on peut
Voilà, ouvrir ou fermer. Donc voilà, autre petit point plutôt positif. De par la transformation, malheureusement, donc le bassin ne pivote pas. Concernant la position Jean-Claude Van Damme, donc voilà, pour le grand écart facial, il ne pourra pas faire plus que ça dans ce sens. Et dans ce sens, nous avons donc la cuisse sur bol jaune qui permet, voilà, de donner un petit mouvement à cette dernière. Nous avons donc le genou que l'on peut, voilà, plier à, voilà, un peu plus de 90 degrés. Et alors je remets tout en place. Et de par la transformation, nous avons également donc l'extrémité du pied que l'on peut lever et abaisser. Voilà un petit peu donc pour les articulations de barricade. Alors pas de mouvement au niveau du bassin, mais mis à part ça, donc le reste c'est quand même plutôt vachement correct, je trouve. Hop là. Donc voilà, dans l'ensemble, la figurine est sympa. Ce n'est pas ma préférée. Moi qui suis fan de barricade, je m'attendais quand même à un petit peu mieux donc de la part de d'Hasbro Takara. Mais bon, comparé aux précédentes versions, je trouve qu'elle se défend quand même plutôt pas trop mal. Donc voilà, un personnage plutôt très sympa. Hop là, je replace bien ses pectoraux comme il faut. Donc voilà, figurine quand même qui vous donnera son lot de satisfaction. Et nous pouvons bien entendu donc placer, voilà, son espèce de scie sauteuse dans sa main comme ceci. Et le voilà prêt à découper en lamelles et à déchiqueter donc les Autobots et surtout Bumblebee. Et pourquoi pas le petit père Sam Witwicky. Voilà un petit peu donc pour ces nombreuses possibilités. Et pour le comparatif final en mode robot, le voici à présent aux côtés de son acolyte Starscream. Voilà. Et donc pour le coup, je trouve que l'échelle Decepticon est quand même plutôt pas mal respectée. C'est dommage qu'elle ne le soit pas tout autant avec les Autobots. Donc voilà, hein, pour l'instant, mes deux premiers Decepticon Movies. Et le voici, à présent, aux côtés de Bumblebee. Voilà. Les deux Decepticon pour lesquels donc nous voyons le tout premier combat au début du premier film, voilà, sont côte à côte. Donc ça me fait plutôt plaisir, hein, je suis content de les posséder tous les deux. Voilà. Donc en mode robot, il fit quand même plutôt pas trop mal avec Bumblebee, même si, à moins que mes souvenirs soient un petit peu aléatoires, mais voilà, il me semble que dans le film, Barricade est quand même un peu plus grand que ça. Donc voilà, c'est dommage, l'échelle était bien partie, je trouve, avec cette gamme Studio Series, et elle part un petit peu en sucette en fonction des robots présentés. C'est un petit peu dommage, hein. Mais voilà, donc je suis quand même néanmoins très très satisfait donc de posséder cette nouvelle version de Barricade. Yeah. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au Studio Series 28 Barricade. Que dire? Cette figurine, je la trouve quand même très très chouette. Alors ce n'est bien entendu à mon goût pas le meilleur des Deluxe, mais si on se réfère aux précédentes versions de Barricade, c'est quand même pour moi la version la plus sympa, la plus réussie, la plus soignée. Donc voilà, hein, c'est quand même une pièce que je conseille surtout aux fans de Barricade ou à ceux qui essayent de se constituer donc un diorama ou un display donc de la première team du premier film TF Movie. Donc voilà, un personnage quand même que vous serez, je pense, ravi de posséder. Voilà, je vous retrouve pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers.
D'ici là, profitez bien de votre week-end, reposez-vous bien, amusez-vous bien, faites la fête, barbecue, tout ce que vous voulez. Mais surtout, faites-le dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, à très bientôt. Tchuss, bisous, bye bye. Eh ben dis donc, presque 27 minutes juste pour ta tronche. Waouh, j'en connais qui vont tirer la gueule. Mais sinon, Barricade, c'est pas trop mal comme nom, hein, mais moi personnellement, je t'aurais plutôt appelé Barry White. Allez, sans rancune, mec! D'accord, sans rancune. Mais pour terminer, je vais te faire un petit détartrage des dents.